Salut à tous les amis, c'est AgentGB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate, moi en tout cas ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un building games complètement fou. Vous avez été énormément à me réclamer d'autres build battle, mais avec plus de games. Du coup, on est parti pour plusieurs games de build battle, 2 ou 3. Alors, au début j'étais sur Fantabobble, mais vu qu'il y avait personne et que personne ne se connectait à la game, je suis allé sur Epixel, c'est quand même plus rapide. Et puis bon, c'est pas la traduction d'un mot qui va me tuer. Alors, boxing, parfait. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va faire des iron bars. Et en gros, on va simuler un petit boxeur qui tape dans un punching ball. J'espère que ça va le faire. Tac, 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 tac. Voilà, on fait un truc qui va très très haut. Voilà, au maximum. On va faire... plus bas le punching ball. Plus bas, plus bas, plus bas. Genre, plus bas. Genre, c'est pas Goliath non plus, ton mec. Alors, attends, du coup... Là, cette hauteur-là, je pense que ça pourrait être pas mal. Alors, maintenant, du coup, on va mettre de la red... Boule, voilà comme ceci. Vous avez été tellement adorables, les amis. Franchement, je vous remercie. Vous avez été adorables sur le dernier building game à me dire que j'étais trop fort. Ça m'a fait super plaisir. Vous étiez plein de dire ah, t'es trop fort en building game et tout. Et c'est vrai que j'en fais aussi souvent en live. Donc, non, building game, c'est vraiment un jeu que j'aime bien. Quoi. Là, c'est vraiment du Minecraft de version build. Quoi. Il n'y a plus du tout de notion de survie. C'est du 100% build. Et c'est vrai que c'est super sympa à faire. Alors, du coup, ensuite, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir faire un mec tout nu en slip. En slip, voilà, il y a de quoi rendre jaloux notre cher ami Bob Lennon. Voilà, du coup, là, ça me semble pas mal. On va même arrondir entre guillemets les bords. Et du coup maintenant on va faire des blues tac 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 comme ça, avec de la clé pour les papates, du red, de la redstone pour le slibar, du gold pour la ceinture et du red clé pour les gants. Parfait. Alors maintenant il faut faire un truc bien symétrique. Alors est-ce qu'on prend le risque de faire des appuis? Déjà, faut plus reculer que ça. Là, ça me semble pas mal. Ouais, je sais ce qu'on va faire. C'est bon, je visionne le truc. On va faire ça. Tac. Tac, voilà. Bam, 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 bam. Mais on va même faire un angle. Soyons fous. Poussons la chose à son paroxysme. On va faire un angle, genre le mec... Tu vois, il donne un angle dans l'écran. Je l'ai mimé devant ma caméra, mais je n'ai pas ma webcam allumée. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez plus de vidéos avec la webcam, parce que vous êtes beaucoup aussi à me dire ouais, genre c'est cool quand t'as la caméra et tout. Donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires, hein, toujours. Dites-moi votre ressenti par rapport à ça. Si vous voulez plus de vidéos avec la facecam, moi ça me ferait très plaisir, voilà, de faire ça. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis, car il compte beaucoup. Tac, 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 tac. Du coup, on va finir ça. Bah écoutez, les amis, on s'en sort plus que pas trop mal. Hein, voilà. Et là, du coup, on va faire le petit bonhomme qui donne un coup d'une violence extrême dans cette chose. Bam. Ouais, alors par contre, du coup, c'est décalé. Alors du coup, on va faire un petit décalage des familles. Voilà, complètement à l'arrache. Le respect est mort. Bam, bam, voilà, bam, il donne un coup de poing, il recule, voilà, parfait. Bon, écoutez, c'est pas mal, là, je m'en sors pas mal, je trouve. Tac, 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 tac. Hop, item frame, eye offender, pour les yeux, le classique, bam, bam, bam. Un petit quelque chose pour lui donner un aspect crânien à l'arrière, quand même. Voilà, un petit peu de muscles dorsaux. Ah ouais, non, la 3D n'est pas top, 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 top. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Oh, des boutons, on va faire des petits tétons. Des petits tétons, regardez ça, pouf, pouf. Deux petits tétons, voilà, dans le respect le plus inexistant. Ah oui, du coup, ce qu'on pourrait faire éventuellement, en une minute, c'est un petit saut d'eau. Sur le côté, genre, ouais, un petit pseudo, quoi. Un petit pseudo, quoi, voilà, c'est bon. Le mec s'énerve. Bah, un pseudo, quoi, bien sûr, un pseudo. Tous les boxeurs ont des pseudos. Hop, 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 hop. Pour cracher dedans, tu sais, comme un bonhomme. Bam. Voilà. Paf, 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 paf. 30 secondes, il reste 30 secondes. Voilà, magnifique.
Et écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah! Web. On pourrait éventuellement. Pouf! Tu vois, genre, pouf, il donne un coup dans le truc, tu vois, genre, ça fait un mouvement. Bah écoutez, voilà, je pense que là, on est bien. Un bon petit boxeur des familles. Hein? Moi, je trouve ça pas mal. Moi, je trouve que, voilà, ça fait boxeur. Ça fait. Voilà, boxing! Après, on aurait pu faire deux mecs qui se tapent, mais voilà. Alors donc là nous avons un gant qui sort de nulle part. Alors là vous avez été beaucoup aussi à me dire que j'étais méchant au niveau des votes. Je veux dire, les mecs, je peux pas voter. Voilà, boxing quoi, genre. No. What the fuck? No way I'm doing this. Rate Legend for Bants. Legendary for the Banter. What the fuck? Non mais les mecs, je me poupe, mais je. Bon. Amy où? Alors là nous avons un mec qui a des. Quoi? Des gants? Ah, je mets. Ok, mais c'est bizarre comme gant. Enfin, ou alors je ne sais plus traduire le. Ah! Ça, c'est sympa! Ça, c'est sympa! C'est sympa, il y a de l'idée. Non, c'est good. Good. Non, non, il y a de l'idée. Non, vraiment sympa. Voilà, c'est vraiment sympa. Ça sort un petit peu du lot, c'est pas très travaillé. Ah, là, voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, il y avait le good avant, et là, il y a le épique. Là, le mec, voilà. Là, le mec, il fait sa garde et tout. Ta-ta-ta! Ah non, là c'est bien, là ça mérite un épique parce que c'est vraiment super sympa. Alors qu'est-ce que c'est que ce que okay. Rate Legendary for free rank, what the fuck? Non mec, il a même super poupe, le mec il a. What the fuck? Ok, donc là nous avons un ring, très bien. Hero Brain contre un slime, bon c'est ok, c'est ok, c'est bien. C'est bien, l'idée est là. Après, c'est pas très travaillé comme par exemple l'autre, tu vois. Alors, UFC. Ah, là, c'est pas mal. Là, c'est un ring de. C'est un ring de free fight. Allez, ça mérite un good. C'est sympa. Oh les deux enfants en slip qui se battent. Bon, alors, le problème, c'est que nous, j'ai l'impression que. Enfin, j'ai l'impression que moi, j'étais le dernier de la team. Oh, j'étais le dernier de la team, je vais passer en dernier, je vais me faire clasher. Bon, du coup, on a oublié de voter pour l'autre. Alors, du coup, lui, c'est une cheerleader. Moi, je mets pou parce que c'est pas dans le thème. C'est pas dans le thème. Quand même. Ah, yeah! Voilà! Ça, c'est bien, alors. Tu vois, avec le saut, boum, et le mec qui punch! Ils punchent dans le. Super Pou, putain, ils sont horribles. C'est juste parce que je suis dernier qu'ils ont mis ça à regarder. Ils votent tous Super Pou parce que je suis dernier. Et voilà. Alors que. Ah non, je suis avant-dernier. Boxing LOL. Ok, d'accord. Bon, je mets OK parce que bon, c'est un ring, quoi. C'est bien. Alors, voyons voir. Hey GG! Bon, bah, par contre, on est 7ème, vu qu'on est passé dans les derniers. Dites-moi dans les commentaires combien est-ce que j'aurais dû finir pour cette première partie. Voilà. Allez, c'était tout pour cette première partie. Ok, du tout, le thème Fire Truck. Oh! Mais c'est ultra compliqué, ça. Alors, attends. Alors, déjà. Déjà, première question. Est-ce que le Flint and Steel marche? Oui, il marche. Parfait. Alors, du coup, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. Une structure de maison en bois. Un truc vraiment pas trop grand, faut que ça soit une petite maison, voilà. Même une petite maison, j'ai dit petite maison. Bam bam bam, et on va faire brûler tout, le tout. Voilà, on va faire. Voilà, là ce sera la structure avec la porte qui sera ici. Voilà, on va finir la structure là. Bam bam bam. Voilà, et on mettra des planches, tout ça pour faire la maison. Et en gros, on va faire une maison qui crame. Et ensuite, on va faire le camion. Mais bon, là concrètement, il y a du boulot. Il y a du boulot qui m'attend, mais c'est faisable. Du coup, on va tout de suite. Allez, hop, on bouge tout, hop, hop. On mettra le feu à la fin parce que je ne sais pas si ça se propage. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça se propage, mais je préfère, voilà, éviter toute petites erreurs involontaires, dirons-nous. Ok, du coup, la maison c'est fait. On va faire le petit toit, voilà, ici. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Ok, voilà, donc ça c'est parfait. Ensuite, on va faire du coup le camion. On va faire ça comme ça avec du quartz, du coal. Voilà, du coup, ce qu'on va faire. Alors après, c'est vraiment une idée hein, que j'ai. On va faire un truc comme ça. Hop, avec un petit pare-choc à l'avant. C'est comme ça que je joue un camion de pompier. J'ai été jeune sapeur-pompier pendant 4 ans. Donc, je vois à peu près les bails. Mais après, là, le truc, c'est qu'il faut faire quelque chose. Qui soit vraiment en mode USA, tu vois, USA, donc on va faire un truc vraiment bien, ouais, bien carré quand même, il faut faire un truc bien carré.
Ça va être chaud, ça va être chaud, 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 les amis. J'avoue, je suis pas hyper inspiré pour ce truc, mais je pense que l'idée de la maison enflammée en plus, ça fait un petit bonus qui n'est pas dégueulasse, je pense. Il y a moyen de faire un truc propre. Donc voilà, on va continuer. Tac. Voilà. Et du coup, là, ça sera... là, oui, l'arrière est beaucoup plus allongé. Hein, donc, on va faire un arrière bien allongé. Tac. Il faudra faire, du coup, une plateforme qui sera ici pour la lance à incendie. La lance d'incendie, évidemment. Tac, 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 tac. Voilà. Donc là, ça sera le coin pour la... Oh, putain, il me reste déjà plus que 2 minutes. C'est pas possible. Tac, pour la lance d'incendie. Hop, ensuite, ça sera donc l'avant du camion. Avec la cabine ici. Tac, 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 tac. Voilà, c'est tendu. Mais ça se fait. Ça se fait, les amis. Ça se fait. Paf, 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 paf. Voilà. Voilà, magnifique. Voilà, mon petit camion est fini. On va mettre les petites bandes blanches, les petites bandes blanches sur les côtés. Hop, voilà, on va faire ça. Ça ressemble pas du tout à un camion classique de pompier. Mais j'ai envie de dire YOLO. Du coup, là, il me faudrait éventuellement un petit socle, voilà, avec tac, fence. Là, je suis en train de complètement le faire en mode YOLO. Tac. Et là, on pourrait faire du coup un espèce de jet. Par Comas dans les airs. Et là, du coup, quartz. Non. Lapis. Est-ce qu'il y a des particules d'eau? Particules. Witch. Bubbles. Alors, du coup, si j'en mets là. Tac, 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 tac. Là, je fais le chemin des particules. Donc voilà. J'en place ensuite partout. Paf. Voilà, ici, des bubbles, partout, 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 des bubbles. Clac, des bubbles qui se répandent un peu partout. Ensuite, on casse, voilà, donc ça, c'était le socle des bubules. Tac, voilà, éventuellement, peut-être un petit dernier. Voilà, nickel. Waouh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, les amis. J'ai été très exigeant. J'espère que cette exigence va payer. J'espère vraiment que cette exigence va payer. Du coup, toute la maison est en feu. Ah, la maison est en feu. Ah, pimpon, pimpon, pimpon. Voilà, toute la maison est en feu. C'est magnifique. J'espère qu'elle ne cramera pas pendant que les autres votent. Et j'espère que les particules vont marcher surtout. Parce que là c'est pas top, top, quoi, comme camion. Ok, donc là, apparemment... Oh, il y a l'idée de l'échelle. L'idée de l'échelle sur le côté, c'est ok. Wow, c'est un camion, quoi. C'est un petit camion. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, dis donc, lui, il a même pas pris le temps de le faire. What the fuck is this? C'est pas un camion, ça? Je veux dire, mec... Non, mec, c'est pas dans le thème. C'est très joli, mais c'est pas dans le thème. Ah, là, il y a une belle idée de la... une petite idée sympathique de la lance à incendie. What the fuck? Par contre, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de plafond? Pourquoi est-ce qu'il y a des boutons par terre? Trop de questions qui se mettent dans mon esprit. Je mets un ok pour la... Zut! Ah! Oh! Oh, c'est moi! Voilà, magnifique! Pourquoi j'ai pas les particules? J'ai pas les particules! Yay! What the fuck? J'ai pas les particules! J'ai pas les particules! Pourquoi? Kikouloulol. Qui fait des zizi. Waouh, punaise. Jamais vu un mec qui porte aussi bien son pseudo. Il est encore connecté, le mec? Il est encore connecté. C'est quoi son skin? C'est quoi son skin à Kikouloulol? Kikouloulol, reviens ici. C'est lui, d'accord. Waouh, ça c'est du skin de Kalitai. Ok, d'accord. Ok. C'est un beau. Ça va, ça passe. Qu'est-ce que nous a là? Nous avons là un camion. Un camion scolaire à deux roues, trottinette. Ah, oh, ça c'est sympa par contre l'idée des voyants. Sympa, sympa, je garde ça pour plus tard. Zut. Ah, oh, cinquième, mais what the fuck? Ok, d'accord, ça sent les vieilles alliances. Mais n'importe quoi. Bon bah comme d'habitude, hein, dites-moi dans les commentaires quel grade vous me donneriez. N'oublie pas, dites par exemple si vous me votiez pour Legendary, dites Legendary hashtag 2, comme ça je sais pour laquelle vous voteriez. Ok, du coup les amis, dernière petite game, j'espère que cette fois on tombera sur un thème un peu sympa qui ambiance un max. Nous avons le thème plage.
Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite s'y atteler. Ça va être compliqué. Ça va demander beaucoup de travail. Mais il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Je vois bien les petites cabanes et compagnie, donc ça c'est cool. C'est cool qu'on puisse modifier le sol aussi, parce que... Ah par contre, le sol bug un petit peu, hein, il bug un petit peu. Ok, c'est bon, c'est fini pour la plage. Du coup, maintenant, on va faire un petit peu de terraforming, histoire que ça soit pas trop dégueulasse. Voilà, comme ça donne un petit côté naturel à la plage. Maintenant, en fait, j'hésite, soit je fais deux mecs qui jouent au volet, soit je fais des parasols. Je pense qu'il y a peut-être moyen. Voilà, une fois de plus, je m'impose un truc assez élevé, mais il y a moyen que je le finisse, il y a moyen. Voilà, on fait des mecs tout petits, mais voilà, au moins on fait un truc propre, qui soit fini dans les temps, j'espère. Du coup, on va faire une balle quoi? Une balle en lapis-lazuli, soyons fous. Hop, voilà, on fait une balle en lapis-lazuli, Eye of Ender et item frame pour les yeux, comme d'hab. Tac, 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 tac. Voilà, des petits bonhommes bien comme il faut. On a limite le temps éventuellement de faire un petit parasol. Là, qu'on va faire genre ici. Voilà, à peu près à taille humaine. On dira ça comme ça. Voilà. Ensuite, wool. On va faire des, voilà, plusieurs couleurs. Quelque chose qui soit pas dans le ton des maillots de bain, ça serait un peu mieux quand même. Voilà. Du coup, petit parasol des familles au KLM. Voilà. Comme ça, un petit peu rond, voilà, tranquillou. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, un peu de carpet, histoire de faire genre les serviettes de plage et serviettes de plage et compagnie. Voilà, bam, là j'ai même le temps d'en mettre une deuxième. Carpette rose, voilà une petite serviette rose des familles. Voilà, peut-être une deuxième, si on est fou. Ah non, on n'a pas le temps. Mais bon, là je pense que là, on a fait une belle plage. Oh la vache, lui aussi s'est chauffé. Mais voilà, lui il a fait que des parasols. Il a fait que des parasols. Donc je mets un ok parce que voilà, c'est dans le thème. Mais voilà, nous on a fait quand même des parasols, des mecs qui jouent au volet, du terraforming. Voilà. Oh bah le mec il est posé là. Oh pas mal, pas mal. Non, ça mérite un good. Épique. Good. Ouais, good. Good. Pas épique parce que bon, il a. Voilà, c'est un mec par terre. Un petit parasol en plus ou je sais pas quoi, ça aurait pu être cool. Mais ah, qu'est-ce que c'est que. Ah, bah ouais, là lui il était road to the epic. Là il était en chemin pour le epic, tu vois, avec sa petite maison et tout. Mais en fait, il a commencé des trucs, il les a pas fait. Ah, c'est les lunettes! Ah non, ça c'est épique. Ah, oh, c'est épique. Les lunettes sur le côté, c'était épique. Donc là, nous avons le gars. Ah, là, je suis désolé, mais là, le galère. Allez, je mets un ok quand même parce que je suis gentil. Mais le galérien du terraformisme, c'est génial. Ah, alors. Des petits trucs, un petit feu de camp, ouais, c'est ok, ouais, c'est pas finito finito, mais c'est sympa. Oh, un petit château de sable, c'est mignon, avec des petites banderoles, un petit parasol. Ok, très bien, pas mal, ça mérite un goût. Oh, ouais, good. Ah non, ah, ok, faut pas non plus abuser, quoi. Alors ici, nous avons un monsieur Lego Cop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a rien du tout, c'est un trésor, c'est le trésor de Mojang. C'est une île, c'est pas vraiment une plage. Mais je vais mettre OK parce qu'il a respecté le thème. Ah, magnifique! Ah, voilà, deux mecs qui jouent au volet, voilà, c'est magnifique. Il y a les parasols, il y a les serviettes. Yay! Voilà, magnifique. J'espère qu'ils vont pas me troller en mettant des votes de merde vu que c'est la fin. Papa, cool, du décréateur. Ok, donc là, nous avons un petit château de sable avec des petites douves, c'est mignon. Un petit parasol, voilà. Oh. Ah oui, il a utilisé des... Oh, il a utilisé des carpettes. Mais j'ai pas eu le temps de voter! Alors là, c'est quoi? Oh! Ah oui d'accord, donc là c'est un petit plongeoir sauvage ou je ne sais quoi, un petit château, un petit mec en caleçon. Oui c'est pas mal, ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et nous avons un monsieur bijoutier qui nous a fait une petite... Oh ça c'est good, c'est pas mal ça, c'est good. C'est good, good, good. Ah c'est bien, c'est bien, j'ai pas mis de légendaire tiens aujourd'hui, c'est vrai que d'habitude j'en mets quand même assez souvent. Mais là, bon il n'y a pas non plus de truc faux folichon, là c'est pareil, ok voilà il a fait des villageois... Des serviettes et tout quoi. Oh, il y a un petit bonhomme qui... Regardez, regardez-moi ce dissident. Ce dissident. Et je suis combienième? Ah, je suis deuxième! Ouais! Bon, c'était GG. Non, GG. GG parce que là c'était vraiment pas mal. Ça méritait la victoire. Le petit mec avec sa tête. Non, c'était vraiment très très bonne idée. Du coup, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo Building Games. J'espère que ça vous a plu. Si vous en voulez plus, dites-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de me dire mon classement pour la troisième game dans les commentaires toujours. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous.
bisous, passez un excellent lundi et même une excellente soirée. Et je vous fais d'énormes bisous une fois de plus. Portez-vous bien. High five.